Chers amis, au choix du mort sans ce mardi matin, l'entraînement fut déroulé sans anicroche, pas d'incident à signaler. Pas moins de 4 Boyer Trials au programme sur le gazon. Sinon, avant de venir avec un détail de Ban Trials, nous remarque la présence du Chief Stipe de Nathan Moodley lors de cette séance. Il y a aussi les préposés de la MBC, cela en vue de séance de test en vue de la retransmission des courses pour cette 11e journée. Sinon, 4 Boyer Trials, comment on dit. Premier exercice remporté par Super Excited, il fallait de bout en bout, de très peu devant Zavion qui nous laisse une plaisante impression. Et puis un peu plus en retrait, nous retrouve Godis Masterpiece, sa 3 courses là à tenir. Enfin, je trouve sous la férule de Samraj Mahadia. Le deuxième trial fut remporté par Bon Voyage, toujours chez Samraj Mahadial. Il remporte cet exercice devant Alpine Challenge, Superior Force et Protective Light. Protective Light qui nous montrait très très lent à l'ouverture des boîtes, une PRJ plusieurs longueurs. Troisième trial remporté par Houston, il fallait assez facilement devant Vortacus, Prospector et Captain's Consort. Sa 3 coursiers là, Vortacus, Prospector et Captain's Consort, c'est toujours chez l'écurie Samraj Mahadia. Et dans dernier exercice, quatrième Boyer Trial, il est remporté par Fort McHenry très facilement devant Grimson God. Sinon, par rapport à Urban Kalu sur la petite piste, Sandu Shramjin peut donner plus de détails. Bonjour, bonjour à tous. Oui, beaucoup de galop sur la petite piste ce matin, une séance vraiment animée. C'est avec beaucoup de plaisir qu'il nous trouve le premier galop poussé de Walls of Duronic pour 2023. Aujourd'hui, Walls of Duronic qui travaille sur la selle de l'apprenti Benny et il effectue un travail plaisant, dosé. Côte, il laisse entrevoir ben progrès, ce qui est bon signe pour l'avenir. Concernant ben galop impressionnant de ce matin, comment ne pas mentionner la superbe prestation du gris Frosted Gold. Évoluant sous la selle de Brandon Equoia, Frosted Gold, plein d'allant, très facile, et solide au finish, surtout en 1400 pour le 1000 mètres, que tu fais dit bien, bien facile, que tu extends seulement une foulée d'une façon vraiment impressionnante. Un Frosted Gold fin prêt pour effectuer ce début, ce reprise 2023. Nous finissons aussi un coursier chez Rameshwar Gazador qui panne les snous insensibles, c'est Balouchi, qui s'y travaille sous la selle de Dinesh Souful. C'est un cheval qui détenait une superbe forme. Peut-être, il est capable de suivre les traces de The Gatekeeper, Delmo, Balouchi, pour présenter en piste dans une superbe forme. Les autres galops à retenir, le bon workout de Shortcut sur deux tours, surtout lors du deuxième lap, quand il bien sprinté, quand il démontrait beaucoup d'aisance. Nous finissons de nouveau chez Vicky Rui, Lord of Light, qui bien travaille sous la selle de Nishaltia. Ce Lord of Light est à suivre. Bon travail du duo chez Amar Siujal. Un bon travail de High Voltage à l'intérieur de Smuts, deux coursiers qui peut bien progresser. Nous finissons Better Than The Rest et Juniper Lane, les récents vainqueurs, qui pas un travail trop poussif, mais quand même si je n'évolue en Strong Canter, nous remarquons qu'ils ont bien encaissé ce dernier écho, ces deux chevaux qui respirent à la forme. Très bonne prestation de l'Alzan Big Smoke sur la selle de Nishaltia. Big Smoke affûté. C'est un Big Smoke qui peut enchaîner avec plusieurs bons galops. Nous faisons une remarque à Manla d'une forme appréciable. Un Mlamorphobe qui s'est toussé après cette défaite de la dernière fois face à Bless My Puff. Il est bien pick-up. Et ce matin, il travaille à son aise. The Gatekeeper, il maintenait une belle forme. Nous faisons une remarque aussi que Lemon Drop Shot, il travaille en progrès. C'était face à Sierre. Aliarzat, il commence à gagner en condition d'ailleurs sur robe inaméliorée. Nous finissons avec Greek Myth qui réalise un travail très très correct sous la selle de Yanish Taka et il termine ce galop en 12 secondes, deux laps de 12 secondes et tout ceci avec aisance. Partner in Crime, il vient travailler sous la selle de Teddy Ladusser. C'est un cheval qui peut progresser au fil des galops et ce matin, il tape à l'œil. Pour conclure, quelques autres chevaux qui ont bien travaillé en progrès. Les nouveaux de Vincent Allette, Cibotix et Broadway Alley.
Nous finissons aussi Jetstream, qui domine et Overdose. Illicit Kiss, il possède une marge au niveau de ses conditions, mais il est en progrès. Le Jazz Singer est dans, sur la montante, alors que Gang Leader, il est bien en question d'année les courses. Et voyons, en solitaire ce matin, il a réalisé une prestation très, très satisfaisante. Voilà un peu d'enchaîne. Voilà, j'espère que ça a une bonne puisse en vue de cette 11e journée. Sinon, au niveau de la HRD, il y a une enquête qui est prévue cette semaine. C'est concernant le comportement de Raj Rawan dans le waiting room lors de la journée précédente. Sinon, nous vous les êtes au courant de ban dernier retombée à travers notre site web du Défi Turf et également dans nos rubriques dans les journaux, notamment le Défi Quotidien. Sinon, nous souhaitons une très bonne journée et à très bientôt.